Voilà, première maraude de donner la main dans de soi. On est place Bellecour et c'est parti pour distribuer des couvertures. Voilà, on est rue de la République avec un petit toutou qui est là. Nos amis sont aussi à la rue et on a besoin de les aider. Ça y est, c'est parti. Sixième hiver de maraude de l'association Donner la main dans de soi. Je voudrais remercier tous nos bénévoles qui se sont succédés au fil de l'hiver pour nous aider à aider ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la rue, ceux qui ont tout perdu. Voilà. Donc tout ça, ça va être redistribué en maraude pendant le temps froid avec nos bénévoles. C'est gentil à vous également de faire ça. Nous, c'est une participation qui est symbolique. Alors, on est une fondation qui loue des logements sociaux pour plusieurs dispositifs de foyer. On a des hôtes payants, des personnes de l'urgence et des migrants de Calais. Et ça, on passe à la deuxième chaîne ou... Non, non, c'est pour les réseaux sociaux. C'est pour vous remercier. Merci et bravo de nous offrir ces couvertures pour les sans-abri. C'est un joli geste de votre part. Voilà. Eh bien, cet hiver, on va distribuer, grâce au foyer Aralis, de beaucoup, beaucoup de couvertures. Ce que je ressens ce que vont ressentir les gens. C'est-à-dire qu'ils vont être réchauffés par ces couvertures et nous, ça nous réchauffe le cœur de participer à une telle opération. Même si notre participation, elle est infime. Ça nous fait vraiment plaisir. Bien. Parce qu'on a dans cette vie, on a toujours tendance à demander, lorsqu'on donne, on est content. Bon. Nous avons un retour. Bravo en tout cas et merci. Et voilà. C'est bon. Bon. Et nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos mains de bénévoles pour venir distribuer à Lyon, à Villeurbanne, auprès des plus démunis. Alors le fait qu'on va distribuer vos couvertures dans les rues de Lyon, dans la presqu'île, qu'est-ce que vous ressentez ? Ben franchement, c'est un bon facteur humain. On pense aux autres, les gens qui sont sans abri, ils sont dans la rue. Et c'est bon d'aider les autres. Franchement, on voit de difficultés. Et ça nous rend un grand service. C'est pas grave. Dépose. Attends, tiens. Pour qu'on puisse prendre le maximum. Ouais. Comme on travaille aussi nous au plan froid, on a à Aralis, c'est-à-dire... On a un foyer, franchement, on reçoit des gens presque les mêmes cas. On essaye de les aider par l'aide de la préfecture, l'association, pour qu'ils puissent avoir des papiers, pour qu'ils puissent avoir comme un être humain, comme nous, pour qu'ils puissent travailler, pour trouver des jobs, pour trouver un bon logement. Et voilà, merci. À mon avis, prochainement, il faut venir avec nous. Car cette couverture que vous voyez, elle a une vertu. Elle peut cet hiver sauver une vie. En protégeant du froid, en protégeant de l'humidité. Donc voilà, c'est des couvertures qui nous sont offertes par le foyer Aralis. On est très contents de pouvoir faire ce geste parce que c'est des couvertures qu'on avait en trop. Et nous, on est plutôt dans le social. Hein. C'est une fondation qui aide du coup les personnes en difficulté au niveau de la recherche de logement. Donc on est très fiers de pouvoir donner à cette association. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un geste de solidarité que nous vous proposons de donner une chance aux sans-abri de s'en sortir cet hiver, car ils auront un peu de chaleur et beaucoup de chaleur humaine à notre contact. On compte sur vous. Merci de nous rejoindre. Appelez-nous au 06 11 19 07 22. Avec une couverture qui vient d'être offerte. Oui, chaussettes aussi. Et partagez avec nous la joie, le bonheur, le plaisir de sauver des vies dans les rues de Lyon et de Villeurbanne. Merci. Et bien, merci en tout cas.